Bonjour, voici une nouvelle vidéo assez facile et rapide. Donc ce joli béret ou bonnet, en fait les mailles que vous voyez là lui donnent un peu un style de béret quand il est porté. C'est un fil qui est assez gros de chez Fil d'art, qui s'appelle Galaxy et qui est brillant, qui est très joli et très doux. J'ai utilisé un crochet numéro 8, voilà, assez gros, donc ça va assez vite. Et puis j'ai utilisé des mailles serrées, donc je commence toujours par le sommet, hein, j'ai augmenté, j'ai utilisé des mailles serrées. Et puis là, je vais vous montrer comment on réalise les mouchets, et puis de nouveau des mailles serrées. C'est une taille unique, hein, il est assez élastique. Donc je pense qu'il ira à tous les tours de tête. Et bah allez, c'est parti, je vous montre. Donc je commence par réaliser un nœud coulant, une boucle, voilà, à l'intérieur de laquelle je vais piquer 8 mailles. Donc je vais déjà piquer mon crochet à l'intérieur et puis m'arrimer à cette boucle. Donc je fais un jeté, je tire, et je fais un nouveau jeté et je tire à travers la boucle sur le crochet. Voilà. Et puis là, à ce niveau-là, je vais piquer 8 mailles serrées dans la boucle. Donc c'est parti, je vous montre. Je pique dans la boucle, je fais un jeté, je tire. Un nouveau jeté et je tire à travers les deux boucles sur le crochet. Voilà une première maille serrée. Je continue de la même façon encore cette fois. Je pique à l'intérieur de la boucle, je fais un jeté, je tire, un nouveau jeté et je passe le fil à travers les deux boucles. Donc avec 8 mailles serrées, je vais fermer mon tour d'une maille coulée. Donc je vais piquer dans la toute première maille. Hop. Voilà. Je fais un jeté et puis je tire à travers la boucle sur le crochet. Voilà, là j'ai fermé mon tour. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, plus la maille coulée, que je ne compte pas comme maille du tour. Pour me mettre à hauteur, je vais réaliser une maille en l'air. Donc je fais un jeté et je tire à travers la boucle sur le crochet. Et puis ensuite, il va falloir augmenter pour élargir le cercle et donc doubler chaque maille, c'est-à-dire faire 2 mailles serrées dans chaque maille du tour précédent. Donc je vais commencer donc dans la première maille, celle dans laquelle j'ai piqué la maille coulée pour fermer. On la voit bien là, donc je pique, je fais un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les deux boucles sur le crochet. Voilà une première maille serrée et j'en fais une deuxième piquée au même endroit, dans la même maille, dans cette même première maille. Donc je pique, je fais un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les deux boucles sur le crochet. Voilà, donc là j'ai doublé la première. Je vais doubler les autres pour avoir 16 mailles au final pour ce tour. Je fais pareil tout au long du tour. Voilà donc au bout du tour avec 16 mailles. Je pique dans la toute première maille pour réaliser une maille coulée et donc pour fermer ce tour. Hop, je fais un jeté, je tire et je tire à travers la boucle sur le crochet. Voilà. Donc je poursuis de la même façon, sauf qu'il va falloir augmenter un petit peu moins pour avoir un cercle bien plat. Donc je fais un jeté et une maille en l'air pour me mettre à hauteur des mailles. Voilà. Et puis ensuite, je vais faire dans la première maille, je double. Dans la deuxième, je ne double pas. Je fais qu'une seule maille serrée. Dans la troisième, je double. En fait, je double une maille sur deux. Alors, c'est parti, je vous montre. Donc, c'est comme au tour précédent. Hein, je pique une maille serrée dans la première maille. Et puis, une maille serrée au même endroit. Une deuxième maille serrée au même endroit dans cette première maille. Voilà. Et puis, dans la deuxième, je vais en faire qu'une seule. Dans la troisième, je vais en faire deux. Une, deux. Avec ce fil qui est assez gros, on voit bien l'endroit au piqué. Dans la quatrième, je n'en fais qu'une, etc. Ce qui fait que j'ajoute 8 mailles à ce tour. Et que donc j'aurai 24 mailles à la fin du tour. En fin de tour, avec mes 24 mailles, j'ai réalisé une maille coulée pour fermer. Et puis donc je poursuis avec une maille en l'air pour me mettre à hauteur. Et puis cette fois-ci, je vais doubler une maille sur 3. Donc je vais faire deux mailles serrées dans la première, une dans la deuxième, une dans la troisième. Dans la quatrième, je vais en faire deux, etc. Alors c'est parti. Une. Deux. Puis une. Une. Puis deux. Une, etc. Donc là encore, je rajoute 8 mailles. Donc on était à 24, on arrive à 32 en fin de tour. En fin de tour, j'ai terminé par une maille coulée pour fermer et j'ai donc 32 mailles. Je vais faire encore un tour d'augmentation, un dernier, ça sera le quatrième, pour arriver à 40 mailles. Alors j'y vais. Cette fois-ci, je vais doubler une maille sur 4. Donc je vais doubler la première. Et puis je vais faire une maille simple, seule, dans les 3 suivantes. Et puis, dans la cinquième, je vais de nouveau doubler. Donc c'est parti. 2 mailles serrées dans la même maille. Puis une dans la suivante. Une dans la troisième. Une dans la quatrième. Voilà. Et puis de nouveau deux. Je double la première des 4. Donc là, j'ajoute encore 8 mailles, soit 40 mailles serrées au total pour le tour. Voilà, donc me voilà à la fin des augmentations. Je vais poursuivre par 2 tours de mailles serrées simple. Donc je vais réaliser une maille serrée dans chaque maille du tour précédent. Donc je commence toujours par me mettre à hauteur en faisant une maille en l'air. Et puis c'est parti, je fais 2 tours de maille serrée. Je vous retrouve une fois ces 2 tours terminés. Donc voilà un joli disque. Donc je vais poursuivre maintenant avec les deux tours de mouchet dont je vous parlais, qui donnent un petit peu l'originalité au bonnet et puis cette forme de béret. Donc c'est assez simple. Donc pour réaliser ces mouchets, je vais commencer par faire deux mailles en l'air. Hop, voilà. Et puis je vais faire la même manipulation dans chaque maille serrée du tour précédent. Donc je vous montre, je fais un jeté sur le crochet, je commence par un jeté, je pique dans la première maille, je fais de nouveau un jeté et je tire assez haut, voilà, pour me mettre à hauteur des deux mailles en l'air de départ. Donc je reste assez souple. Je ne serre pas trop mon fil et puis je vais refaire exactement la même chose. Donc je garde mes trois boucles sur le crochet là et je recommence. Donc je fais un jeté assez haut, hein. Je pique au même endroit dans la même maille, je viens faire de nouveau un jeté et puis je tire la boucle. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet et on va les écouler ensemble. Je fais un jeté et je vais tirer mon crochet à travers les 5 boucles. Et je vais continuer de la même façon. Donc, je vous remontre un jeté, je pique dans la deuxième maille. Je tire assez haut, refais un jeté, je pique de nouveau dans la même maille, je tire à nouveau assez haut, me voilà avec 5 boucles, je fais un jeté et je tire à travers les 5 boucles sur le crochet. Et voilà, on voit là les mouchets qui se forment un petit peu en relief. Je vous remontre, en voilà un, puis un deuxième. Voilà. C'est un joli point en relief. Je continue de la même façon jusqu'à la fin du tour. Et puis, je vais fermer d'une maille coulée. Donc, une fois ce tour réalisé, je vais faire un tour de maille serrée. Je vais vous le montrer là sur le béret. Voilà, donc là j'ai fait un premier tour de mouchet. Ensuite, je fais un tour de maille serrée simple. Et puis de nouveau, un tour de mouchet. Voilà. Et puis ensuite, je termine mon béret, mon bonnet, par des mailles serrées simples. Alors, tout dépend de la longueur que vous voulez donner à votre béret. Là, ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tours de mailles serrées. Voilà, j'ai terminé tout simplement par un tour de mailles serrées sans faire de bordure particulière. Voilà, mais à vous de voir. Voilà, c'est un béret qui est facile et très rapide à réaliser vu l'épaisseur du fil et puis qui a cette petite touche d'originalité grâce à ces mouchets qui sont aussi assez simples à réaliser au final. Voilà, j'espère que vous aurez aimé mon tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez des commentaires, notez-les et je vous y répondrai le plus rapidement possible. À bientôt!